مرحبا بكم في الحلقة 20 متاع داري دارك سافا فيت. اليوم قلت بون انيفرسير 20 كمان، حبيت شخصية اللي فريمون ما فهمش تونسي ما يعرفهاش، ما فهمش تونسي ما يحبوش، ما فهمش عمل قايم يتخدم بلاش بيه. ميرسي داكوير معايا سي روف بن عمر. يا مرحبا روف. مرحبا بك. مرحبا بك وباللي تبعوا فيك كلهم. شنو أحوالك؟ سبعة بيان. أنت فت 65 محصور معناتها بالحق؟ لا فت 70. يزي بلاي والله بارك الله عليك. أما عندي في الكارت ديدونتيتي عندي جيرون دو سيتي، دونك شنو نقولهم تحبوا ما عادش نخرج شريوا عليا الشركة بحالكم. دونك شنو باش تعمل؟ لا جينيرال كون جو ديسيد دو سورتير جو سور. قليل البوليسية اللي ما يعرفونيش، ودونك اون بلوس جي دي زارغيمون توجور نو سيريس كو بور دير ماشي نطلع الجيمو نتاع بنتي. احكي لي لي جيمو عاملين فيك احكي لي تي زون فو. اه وي هادي وحبيبه زون 9 موا ماتنون. اي سي ان كادو دو سيل باسكو لا commence à mettre de l'ambiance, à reconnaître, à jouer le jeu sans parler, ouais. Avec des onomatopées. Sinon, le sens du rythme, le sens de la musique, la danse, tout ça, à 9 mois, tabarkala, il ne marche pas encore, mais il bouge bien. Il ne marche pas, il ne parle pas, ou tu fais hum hum ou sheikh ma'am. Ah oui. Et il veut se tenir debout. Ou quand les mortels fin à l'akhir, hein? Oui. Elle est beaucoup plus posée, il contemple tout, un peu philosophe à 14. Il est chef. Et l'autre danse, ou la musique, la musique, c'est vrai. Banane. Raouf, c'est la première fois que tu es grand-père? Oui. Parce que Sophie a pris son temps à être son mari. Magnifique. Je suis pour toi. 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 Je pense que ta carrière, ton état de star est là depuis plus de 45 ans, 50 ans. Après, 50 ans. Le système n'existe, hein? 50 ans. Et 50 ans de carrière. C'est-à-dire que j'ai commencé par le théâtre. Donc, je suis devenu connu par les gens qui suivent nos pièces, tout court. Mais avec la télé, à partir du premier téléfilm, et il y a eu je sais pas, deux ou trois feuilletons avant le fameux Khotab Al-Beb. Et depuis Khotab Al-Beb, dans 1996, soudainement, c'est la magie de la télé qui entre partout, chez tous les gens. Tout le monde me connaît. Sauf qu'on a passé peut-être 10 ans à m'appeler Chedi Tamar, c'est le nom du personnage, et depuis maintenant c'est Raouf, c'est un peu partout. Tu refuses des propositions Raouf, femme à Hajet, Matakbelhomche? Oui, il m'est arrivé de m'absenter 3-4 ans parce que les scénarios ne c'était pas ça du tout, et puis maintenant je n'ai plus de proposition à part le cinéma où j'ai. Là, allez, Ramadan Sné, tu es dans deux feuilletons. Et il est là, manière parce que je n'ai plus de rôles principaux. C'est des rôles importants, ouais. Peu de durée ou voilà, des apparitions, mais le rôle est important dans le scénario et il vaut le coup d'être joué. Qui m'a Maestro Amneol. Ouais. Mais je ne sais pas si tu as vu Maestro Amneol. Oui, et pourtant c'est 7 séquences dans tout le feuilleton. Mais c'est un personnage repère où l'acteur principal va le chercher dès qu'il a un problème. Le ktiba muhima ou la direction d'acteur, بالنسبه ليا, est-ce que tu قايم خدمتك en toute objectivité? معناتها سنة مثلا, je peux te parler en franchise. Un des deux feuilletons dans lesquels tu es, le tawalarit que tu m'as fait, le manet à la course, c'est.
قلب الذيب كل يوم عندي دو موان سيكونس. لا مش قلب الذيب، نحكي على 27. لا 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 ال 27 على 27. اي لوتر فيتون. اي Eh bien, mon personnage a été la principale victime de la corona. D'accord. Parce que sur 18 séquences, j'en ai tourné 4 et puis le tournage s'est arrêté. Et donc, il a dû développer d'autres axes et oublier le mien. Et il m'a appelé pour s'excuser, etc. Quand il dit, écoute, c'est plus fort que nous tous. Voilà, donc j'ai bien allé, ta question parce que vraiment ma femme touche. C'est vrai. Et pourtant, je suis apparu dans 4 séquences au moins. On m'a dit 7 séquences. Donc, il restait à peu près 12 séquences. C'est quand même énorme pour 15 épisodes de 30 minutes. Raouf, comment est-ce que tu as le cinéma, le masrach, le telvza? Est-ce qu'il y a une classification ou là, c'est tant que tu joues, tu es heureux? Non, tant que je joue, je suis heureux au théâtre, comme à la télé, comme au cinéma. Parce qu'on n'a pas d'industrie ici. Hein? Et nos films, Maktarf, ils sont réservés au cinéma d'arrêt d'essai. Donc, ils ne sont pas commerciaux, ils ne ramènent pas d'argent. On n'est pas encore à l'industrie. Tout le monde attend cette fameuse subvention de l'État pour faire son film. L'autre problème, c'est que si le film coûte réellement 3 millions, la production a 1 million. Et si aussi le feuilleton coûte minimum 1 million et demi, généralement, ils n'ont que la moitié aussi. Alors, avec des productions internationales, des prods légers ou le Tunis, tu n'as jamais été tenté de partir faire carrière ailleurs sur un marché plus grand? Ça a été polémique à le mur qui fait ce Twin Saïm Shi ou le Masr, voilà. Tu as eu cette tentation? Écoute, voilà. Non, pas du tout. Et pourtant, tu sais, en 75 déjà, mon premier long métrage étranger, Le Messie de Roberto Rossellini, ouais, où je jouais Judas, ouais, et second rôle. Donc, à la fin du tournage, Roberto Rossellini m'a envoyé un assistant à lui pour me dire « Le maestro te propose de venir t'installer en Italie. Wow, il prend tout en charge. Ça, ouais. Il prend tout en charge et tu vas attendre un an. Tu vas étudier, apprendre l'italien et tout ça. Et tout ça. Et dans un an, il va tourner avec toi à Mahomet. » Donc, je lui ai dit: je m'excuse, c'est un grand honneur, ça me fait plaisir, etc. Mais impossible. Allez! On venait de créer le Théâtre du Sud de Gafsa, et la première de Shah était donc Mantel, et Bournuadra, etc. Rajin Saïbrou, Mautchini Chita, au rôle principal à la Shah. Qui m'a en Angleterre, j'ai voulu le Kaloli, j'ai fait nationalité, j'ai fait le Barachai et tout. Il y a deux petites erreurs dans mon parcours. Non, ce n'est pas des erreurs. Pour le boulot. Pour le boulot. D'abord, on va expliquer à nos spectateurs que c'est là qu'on s'est connus. Ils doivent se dire comment elle se permet de tutoyer si Raouf ou Tahkima Haka. Un update entre tes si tu as offert que je vais lire en 91, خليك تحكي ايش كنت نعمل معاك. لا انا شفتك مع هند صبري كي قالت لك j'étais jalouse de vous etc. وانت قلت لها لا انت silence du palais. كان دخلت في الميسيون راني قلت لك وانت وقتها تشارلي تشابلن في كلام الليل. تشارلي tu devais avoir 14 ans 15 ans 13 ans. Voilà. Donc, c'était une présence très, très sympathique, inoubliable d'ailleurs. Et heureusement que tout est enregistré. Je cherche les images, Raouf. À 13 ans, j'ai commencé, Tu simples un coup de fil à Taufir et il te sort l'épisode de Klemelil où tu es. Zama Taufir, il accepterait, Dari Darek. Et alors, pourquoi pas, bien sûr.
Il doit s'ennuyer chez lui. Il fait plein de choses. Là, mais calme, t'as ça. Tant calme. Surtout, moi, quand tu as. Mes journées alors. Alors j'ai commencé par mettre de l'ordre dans mes archives, des archives de 50 ans. Ça fait peut-être 15 ans que je me dis, je vais m'en occuper. Et à la fin, je me retrouve avec un débarras des chronos, des albums, etc., etc. Des articles, il y a des photos qui ne se voient plus, qui sont complètement effacées. Et bien sûr, les journaux ont jauni. Donc, j'ai essayé de récupérer l'essentiel de l'essentiel parce que c'était trop, vraiment. J'ai scanné ce que j'ai pu et le reste, la poubelle. Ça a pris un peu de temps. Sinon, moi, j'écoute tout le temps de la musique, tout le temps. Quel genre, Raoul ? J'écoute de la musique. Hey, quel genre de musique ? Ah, genre tout. Moi, j'adore le jazz. J'adore Tarab, l'oriental. J'adore Tarab Tounsi, parce que moi j'appelle Tarab Tounsi les perles de Nama, de Oulaye, de Ali Riah, de Juin, etc. Et j'aime certains chanteurs du pays du Golfe, comme Nabil Chahil, ou comme Al Jasmi. Et là, depuis quelques années, c'est récent, je me suis mis à regarder The Voice, American Idol, Arab Idol, Britain Got Talent. Tu sais, mais je m'intéresse aux kids. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Incroyable. C'est des émotions. Alors là, tu as une rafale d'émotions. Oui. Et puis, tu découvres le jury. Par exemple, Lionel Richie, quand tu le vois, comment il se comporte avec les candidats, c'est merveilleux. Ça sort tout ce qui est humain chez l'artiste qui, pour nous... Ah oui, j'adore, je ne savais pas que tu regardais ça. Il y en a qui faut que je sache. Nusra à la YouTube, une hot best performance. Drachon, on ort, c'est notre petite assoie. Hani bkit, hani tchakt, hani jtacht. Magnifique. Et ce qui est merveilleux aussi dans Voice Kids, les jeunes arabes, à partir de 7 ans, ils chantent Abdel Wahab, Leila Mourad, Oum Kalthoum, à tomber, drachon. Rao, c'est incroyable, ils sont bourrés de talent et tu te dis au moins ces trésors de l'Est à l'Ouest, des pays du Golfe jusqu'à l'Afrique du Nord sont bien sauvegardés et il y a une génération pour les garder. Magnifique. Alors, qui apprennent très bien et qui chantent très juste aussi. Avant dernière question justement, quand كنت تنجم تعدي الكونفينمون هذا محصور مع شخصيه معروفه فنان personnage historique اللي تحب انت avec qui tu aurais voulu passer ces quelques semaines? Oh, ça dépend hein. Ça dépend si avec Tawfiq parce que je le vois de moins en moins. Ouais. Et puis avec Tawfiq on s'ennuie jamais. Et il y a plein d'idées, des idées avec des étincelles qui démarre toute seule et ça finit par un travail assez intéressant. Sinon, si on va trop loin, c'est Meryl Streep. Yes. Qui est mon actrice préférée. Elle a 70 ans. Là, c'est autre chose, vraiment, quel parcours et quelle merveille. Elle nous a émerveillés pendant 30 ans au moins. Et puis, quand on fouine dans YouTube, tu trouves des programmes, des émissions, des interviews, et là, tu découvres aussi. Quelle femme elle est, à part l'actrice, la merveilleuse actrice. Et donc, des gens comme ça, discuter avec eux, déjà, c'est,
c'est quelque chose. En parlant de star, شكون اقوى شخصيه عندك نمرها في تليفونك une star justement internationale voilà. Maintenant dans les festivals. Pas maintenant, tu as eu son contact hein, qu'à une star. Maintenant je n'en ai plus, mais entre 1970 et 1990 où j'ai fait à peu près 20 films internationaux, bien sûr que j'ai eu sur mon téléphone les numéros de... Oui, Harrison Ford. Harrison Ford, j'ai joué avec lui. Oui, j'ai eu cette chance de lui donner la réplique dans Frantic. Ouais. Et puis, on a passé 3 jours aussi merveilleux avec Roman Polanski. C'était la deuxième fois avec Roman. La première fois, c'était Pirate à Tunis. Non, mais j'avais des numéros qui sont devenus des copains. Pierre Detti, Richard Anconina, Pierre Richard, Aldo Maccione, etc., etc. Et au début, quand j'allais à Paris, je leur téléphonais, on prenait le café ensemble, voilà, on dînait ensemble. Mais maintenant, les numéros sont partis, mais si je vais sur le compte de n'importe lequel d'entre eux, qui t'a rappelé le film et le rôle, et ça marche tout seul. Mais il y a un truc mais jamais je ne sais qui est vraiment il y a des acteurs merveilleux qui ne sont pas des stars. Je cite Keith Washington avec lequel j'étais hier comme ça sur Messenger, qui sont venus jouer en 72 le 75 le film 76 Franco Zeffirelli, Jesus of Nazareth. Et nous sommes restés amis jusqu'à ce jour. Ah ben. Et si je vais à Londres, il faut que je passe par Keith Washington. C'était un comédien de la Royal Shakespeare Company. Il n'a pas eu une carrière fabuleuse au cinéma, mais il reste quand même un sacré comédien. Magnifique. Il est encore à la Royal Shakespeare. Raouf, vraiment merci. Pour moi, tout ce que je retiens de tout ça, tu as 50 ans de carrière ou un talent حد ما ينجم يحكي فيه اما اللي هبلني واللي درس بالنسبه ليا للشباب التواضع يا رؤوف اللي يعرضك في الشارع ما يصدقش معناتها قديش قعدت نفس الشخص قديش تمن بالتواضع وانا تعرفني معناتها سي لا كاليتي بروميير ما تحبش تغلط في روحه ما تحبش لا غروستيت ما تحبش لي زابارونس هذا الكل ما عندكش ما شانس سي كو جي كومونسي سور ان بلاتو où il y avait Laurence Olivier, Anthony Quinn, etc. etc. Ça calme. Et quand j'ai vu Laurence Olivier en Chair et en Os, j'ai failli m'évanouir. Alors il m'a dit, nous sommes tous les deux acteurs, hein, mais moi j'ai un peu plus d'avance que toi. Donc ouais. Aime ton métier, fais-le sincèrement. Quand je vois la modestie de ces gens-là, et qu'après je vois un acteur qui commence à se prendre pour quelqu'un après un petit rôle de rien du tout à la télé, je les attrape, ces jeunes. Hein. Je dis, écoute. Oui. Si tu veux terminer ta carrière dans quelques semaines, continue comme ça. Pour finir, une anecdote avec un fan vraiment qui t'a marqué. Abd Fesherer qui a eu une réaction inattendue. Voilà, une petite anecdote. Ça, alors, c'est un épicier d'un village qui s'appelle Dahmani, qui est à 20 km du Kef. Et c'est Fawzi Azouri qui m'en a parlé, qui m'a dit, écoute, tu es un fan d'Ahmani, incroyable. Il t'écrit des lettres, il ne sait pas où les envoyer, etc. Donc, Fawzi, la prochaine fois où tu viens à Tunis, tu m'amènes. Oui. Je suis allé à Ahmani. Il y a ben, il voulait me remplir la malle. Quand je rentre chez moi, mais qu'est-ce que je vais foutre moi avec tout ça? Mais non. Et puis il m'a donné la lettre manuscrite et tapée à la machine. Si jamais j'ai des difficultés, Et depuis, c'est une relation extraordinaire. Et à chaque fois que je vais, je vais le voir. Et c'est très, très sympa. Voilà, c'est Raouf Ben Amour qui nous parle avec le tawadou et les qualités humaines. Raouf, merci. Dorian, ça m'a fait plaisir de te voir, de t'entendre. Ça fait longtemps. Je t'embrasse très fort. On te l'aura au bar de ma Youfa Hedal Kolé. Aïe. Bisous, tiens. Merci. Ciao à toi aussi. Yeah.